Extraordinaire. Oui, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on sentit par exemple, on parle de moi, parce que moi fort, d'après le dédain contre la musique haïtienne, de la part de cette jeunesse, d'abord même. Bon, on dédain de. Moi-même, bah, ouais, la musique, on dédain de tout ce qui est haïtien, naturellement. Mais c'est une attitude qui n'est pas réelle, parce que dans le sens de pas réel, c'est le regard des fiertés haïtiens chaque fois que les haïtiens qui font des séries à l'extérieur, j'ai eu accaparé, j'ai eu content. Ça veut dire que le vécu de tous les jours, ils ont trop plein, ils ont dégoût. Et c'est légitime, tu vois, c'est légitime, parce que même quand tout c'est dû à un problème de transmission, parce que ça va faire là, ça n'a pas essayé de faire là. Et combien de radios qui essayent de faire? Combien de radios qui essayent de faire? Et Negla fait deux émissions retour. Et côté Negla pense faire émission retour et passer ancienne musique. Ça veut dire c'est à la porte du dernier des cons pour faire une émission retour. On n'y paraît pas bon playlist. Par contre, on joue à WhatsApp Express ou la gueule. Bah ou la gueule. La gueule va gagner pour 10 sous. Et puis Negla dit faire émission retour. Tu vois donc. Et moi-même, moi, j'ai fait émission le passé au présent. Et l'homme de la Pacifique, son émission à caractère éducatif. Quelle bonne émission rétro. Je crois que Tom Malek, une émission qu'il a fait sous Caraïbes. Ouais, c'est ça, une bonne émission rétro. C'est Captain Bill qui a fait émission rétro. Ouais. Tu vois, c'est un qui a fait histoire, tu vois. Et il y a un autre qui oublié monsieur très bon, tout. Et oublié non, monsieur, oui. Moi, je connais monsieur très bien. La mélodie, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur, non. C'est Captain Bill qui a la mélodie. Il y a Captain Bill qui a l'autre encore. Bon, nous avons tout à l'heure, c'est nèg yo k'ap fè émission retour côté nèg yo ap éduquer moun, nèg yo ap bò dat, nèg yo ap bò anecdote qui te gen là-bas là, nèg yo on se l'ap fè émission retour faut même ou même ka obligé parler de contexte socio-politique. Yeah. Tu vois parce que gen de nuances faut expliquer moun, par exemple l'on moun dans la musique bossa tant que manicure pédicure. Moment de lavage. Ça veut dire l'on met musique là dans le contexte, dans l'époque là. C'est tout un page d'histoire d'Haïti, vous comprenez? Parce qu'à l'époque, Jean-Yves là, c'est on est capable de faire musique sous faux cheveux. Importance qu'il parle pour la société actuelle là. Mais la période de la nègre fait musique manicure, pédicure. À l'époque, l'on jeune femme à l'on studio en Haïti pour le faire mon, pour le faire pire. Et puis, permanente fête à la mode, les vies ont un bagage. Parce que, ou même l'autre grandi, si les gens qui l'école, c'est fait, ou te compte basse dans les cheveux, ou bien fait charbon, fait ceci, fait l'autre bon. Donc, pour te mettre permanente, c'est gros ou zone beauté. Oui, le système n'a pas de réfléchir, on va aligner tête. C'est clair. Donc, on a une radio manicure, pédicure, au moins d'un dos là, au moins d'un lavage, tu vois. C'est permanent dollar, c'est ton grand luxe pour de permanent. Elle dit l'autre musique ça on mettait dans le contexte, c'est une page d'histoire d'Haïti qui passait à travers la musique ça. N'a fait ton petit bail. Vas-y. N'a salué maestro Fabrice Cousier. Et aussi Alcindor Rodrigue Montréal, ça va bien. Alcindor en forme. Il y a aussi Sandra Alphonse qui nous écoute depuis Bordeaux dans son restaurant elle est dans son restaurant tout à fait extraordinaire, Sandra Alphonse, qui vient d'ouvrir un restaurant à Bordeaux et qui mettait laptop live sur tout speaker qui vient dans le restaurant. Là, font paquet étranger, tant des choses, c'est extraordinaire. Je te remercie, c'est gentil. Ok, nous illustrons Sandra Bzia là. Oui. Et Bossa, tu es un petit genre spécialisé là, c'est ça. Ça veut dire que. Et prononcer de texte, foncer de texte sur les qui reflétait réalité on époque ou bien en période. Ça dit bon ça t'es bon là ça et bon quand on texte en Côte-Tigouave par exemple Notre-Dame ça dit l'entendre Notre-Dame bon ça veut dire que on est aujourd'hui à la de Notre-Dame pour comprendre ça fait Tigouave dans les années 80. Est-ce que tu vois ça veut dire son description pour la première communion bon ça ça veut dire que c'est pas ça qu'a fait qu'on y a la communion qu'on y a mais première communion bon ça c'est n'ego découvre sa communion à la haïtienne. C'est-à-dire depuis son aspect religieux et puis jusqu'à arriver sur l'aspect festif là. Pour même tout, il dit son texte qui est extraordinaire parce qu'il dit qu'il faut un résumé de communion là de 15 secondes. Tu vois, avec un remonte juste. Bagaille. Mais bon, ça, c'est extraordinaire du côté texte. Ça veut dire que bon, ça a deux textes engagés. Alors, il y a deux textes historiques. Par exemple, l'opre Racine, bon, ça son texte historique, c'est pratiquement un cours d'histoire. Est-ce que tu vois? Et ou bien l'opre un texte en cours Apocalypse, son texte comme sujet tout le monde parce que c'est qui jazz que vous pensez dans le moment que nous parlons actuellement là qui a suivi comment ça et personne
gars donné qui a de bons textes, mais le niveau de réflexion, ça, des textes qui ont porté philosophique. Et c'est des textes, rappelez les textes qui a caractère métaphysique quand même. Textes, mon bas, c'est qui font bagarre comme ça plus ou moins. Gars, c'est résultat anglais. Et qui ont réflexion, qui ont dit une réflexion presque philosophique là dedans. Leur contexte en résultat anglais, tu vois son texte qui mettons en face tête, ça veut dire que ça veut dire que au moins l'essentiel c'est qu'on arrive, quels que soient les moyens d'y arriver, tu vois ces résultats comptés, tu vois c'est les mettons débat en société, tu vois. Et c'est mais après ça, oui, il y a de très bons textes. Résultat est plus ou moins social. Le social, mais il n'est pas social seulement. Ça veut dire que pas qu'à mettre un texte côté nègre à Palo, justement, Michel parle de réussite et que c'est l'autre texte, ça c'est. On va interpréter les deux gens, tous les moyens sont bons pour que la société accepte depuis qu'on a un résultat, quel que soit le moyen utilisé pour arriver. Tu vois, donc il y a tout un message, la donne, il y a un aspect social vraiment la donne par rapport à la société moderne, mais on doit mettre son texte qui a fait débat dans n'importe quelle société, dans n'importe dans le passé comme dans le présent et peut-être même dans le futur. Tu vois, donc c'est pour ça, pour moi, son texte, c'est qu'on va philosophique. Tout à fait, mais si ma font analyse comparative à, par exemple, à texte Bossa Combo qui est le. Non, m'bab jeune en pile. Bon, vous ne pas dire m'bab jeune du tout. Bon, m'bab jeune en pile, nèg qui fait de texte à caractère social, c'est aussi m'bab c'est qui très bon. M'bab c'est Gazman Zéon Nayo. Et forme du tout que. Entre guillemets, majorité de textes à caractère social qui sont ces derniers temps, je travaille un peu sur Pifo. Et il y a un pile qui saute la tête, moi, il dit tout. Donc, je ne vais pas peut-être trop aborder le sujet, ça a vu que mon petit Jean n'a pas été intéressé. Tu vois, mais. Pas de problème, non, on va être intéressé. Non, c'est ça, je ne vais pas vous mettre de l'eau sous tête, non, tu vois. Mais, Apocalypse Bossa et son texte philosophique de très haut niveau. Musique là tout, c'est pas musique n'importe monde qui a comprendre. Son musique arrangement bizarre, arrangement hors du commun. Non seulement sur le plan musical, c'est pas musique pour le temps de parler danse ou parler lever de mon lait, mais son musique pour tendre. C'est-à-dire niveau musique là haut avec mon Adrien Janet sous keyboard là, vraiment impressionnant. Apocalypse. Et oui, Apocalypse. Et puis Monsieur Tom, si vous attendez le sujet, vous attendez texte là. Mais nous même venons pendant la préparation celle là ou oublier texte. Non, album ça, de façon particulière, c'est un album qui vraiment est sorti de l'ordinaire. Ah, c'est sûr. Et Fabrice, vous avez dit, il est important pour reprendre des belles commentaires que de toi, belles consultants fait pour nous là. Fabrice, vous avez dit, Raymond Kadjis juste doublement respectable, surtout l'heure où son jeune qui époque l'étape jouer musique, ça y est, et autour. Qui public? Ah ouais, c'est sûr. Et c'est surtout sûr. Pour quel public? C'est sûr. Liberté DP Express, ça c'est Patrick Saint-Louis qui dit Liberté DP Express avant Racine. En DP et avec Bossa, t'es bail la main dans le texte. Vine danser, t'es annoncé à collab. Bon. C'est clair. Ouais, tout à fait. Nous allons illustrer ça, puis pour Pabdino là, essayer tant de textes. Texte ça, c'est vraiment que t'es fait moi j'aime bien ce qui texte là, pas qu'une caisse. Même quoi que c'est Raymond Kadjis. Ah monsieur, tu as flotté là. C'était nous l'autre. M'avait fait son monde songer et Patrick Fomme peut-être qu'a regardé la carte songer qui est-ce qu'écrit. Et moi, ça m'a déjà échappé. Même simplement qu'on a son texte extraordinaire. Et là, on a parlé de musique beau, sac machine, c'est pas ça que la tête. Tout le monde la permanente, tout le monde la racine, tout le monde la. Plus parler de ça, mais pour moi, ça c'est une pigou musique beau, ça comme beau, j'aime faire. C'est vrai que nous t'as fait toute une année à tenir. C'est bon musique qu'on a coupé et puis bon. Non, mais ça qu'importe la donne. J'aime bien son musique qui philosophique. Mais c'est pour démentir un peu le bagage comme si et Negab dit, ça veut dire que et par exemple Negab dit que et nèg longtemps pas qu'on écrit, c'est comme si c'est nèg qu'on écrit, c'est vrai. Non mais je suis quelqu'un qui dit ça, ou bien des musiciens qui ça même. Il y a des musiciens là qui nous fait qu'on fait deux petits coups de plumier pour comparer tête à on sait deux nèg bon pas empêcher de faire comparaison, mais faut bailler mon respect lui. Là tu vois, et c'est vrai que vinn bon écriture qui plus poétique et à la fin des années 80 avec mouvement nouvelle génération, où écriture qui est plus poésie, tandis que
et nèg vinn commencer à faire versification dans texte il a primé bagage il doit primer le patron l'entend nèg l'autre on était plus écrit en pause tu vois donc qui sont écritures qui libre qui plus libre ça veut dire que elle avait dit que pas de connait poésie là-dedans non parce que moi même DP Express première version DP Express avait blé ça ou bien de texte me trouver qui était une certaine poésie là-dedans mais il y a de groupe à l'époque vraiment comme c'est à fait texte ça ou pas besoin parler des avoyaux du tout par exemple on parler de texte ou pas besoin citer nos scorpions là pour la même et je vois ce premier scorpion Robert pas être baillé pour dire là-dedans mais comme décrit OK ou bien peut-être là ou pas qu'a dit trop bagaille tout à quelques rares exceptions là déjà tu vois oui mais à quelques rares exceptions par exemple Bouquet Amalis pour moi son superbe texte mon créole bien, mon créole pas Bouquet Amalis son mon créole pour moi mon créole pour moi c'est un des meilleurs textes faits déjà parce que la vie sont belles textes oui tout oui 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 même peut-être l'univers là tout parole bon tout même peut-être l'univers mais Philippe next ça t'es bon degré next ça t'es dans dimension de jouer compas direct là compas direct là en bas ma parole you know côté musicien a fait des bagages extraordinaires des bagages qui dépassaient l'entendement humain par conséquent il était un petit peu négligé c'est même là avec ça qu'a passé en groupe tant que classe dans moment qu'a joué bien qu'a maîtrisé sujet lui qui s'est joué musique là et puis texte laissé à désirer par exemple Richie qui mais malgré quelques bons textes même là pour musique tant que priorité me trouver son très bon texte priorité classe pour musique les priorités oui son très bon texte bah, musique ça très bon texte et sur album ça son très bon texte et son musique moi m'a approché premièrement loin pour contingent cadence pas et son musique contingent rappeler mon série de qui rappelle on c'est des roses carrément là mais maintenant chercher lui parce que pas contre musique ou quand j'ai une priorité ou quand chercher le sous là ça et faut profiter ça lui on go icon là et Leslie Dauphin c'est même genre tout à l'heure le fameux c'est lui on bêtise ou bêtise lui qu'est-ce ça on va jouer là quand même chez Leslie avec ça c'est son super icon classe priorité quoi c'est de qui album non album avant c'est la donne quoi qui est priorité il n'y a pas de priorité là okay. attends fais la toute cœur va marier là la priorité là eh ben ça qu'avant fais le venir avant ok priorité à son bon musique bon texte vraiment c'est dans ça avant de passer priorité est-ce pour ça d'abord même on est au coup Lesti pas j'aime vraiment dans la tête d'IP Express tant que premier lead singer bon là encore arrivé sur DP Express ça DP Express ça son jazz particulier qui démentait en pile bagaille tout et les Sido fin DP Express c'était un paquet nèg qui était bon Leslie la donne Leslie peut-être pas peut-être premier lead singer mais bon côté que Leslie était un petit gens gon certain leadership ça veut dire que c'est pour carnaval non les cigues musique chanter mon cher les cigues chanter pour plaisir c'est pour plaisir et le moment ça c'est donné qui t'a fait que tu viens chanter c'est le moment ça elle va revenir apparaître tout et après Benito quoi après Benito après justement Benito, et Govin Galvarez avec les cigues donc je pense que c'est tellement négoté gain monde moi même moi c'est tellement négoté gain monde parce que là viens me garder Alvarez qui a chanté maintenant et Alvarez ça va tout chanter petit non moi ça m'a dit à mon cap dit lui mais même moi Alvarez c'est quand m'a dit mon nom c'est comme si me dans un conseil de nèg qui tellement fait faire des bazar s'il vous plaît non ça me dit un nèg qui tellement fait bagaille et puis comme si gain de bagaille ou pas dit pour pas courir d'ailleurs mais moi-même Alvarez gagne de musique les chanter bonheur l'autre musique faux prophète là modèle vocal qui a tombé là dedans c'est pas pareil petit lien modèle vocal qui a tombé là dedans ça veut dire si nèg ça était bal route il va lui il n'a pas gain charisme sous Timano ah bonheur charisme il n'a pas gain charisme sous Timano moi même parle de voix il dit si on te bail nèg la chance pour aller moi j'aime penser monsieur t'es arrivé loin ou pas penser que était bal chance monsieur chante ça son nèg comme si qui vient réserver son dit piquer en perte de vitesse parce que la grande aventure du DPX en ce qui me concerne c'est arrêté la belle aventure ou bien l'aventure musicale la plus belle aventure du musical du DP Express en ce qui me concerne bien dit surtout c'est pour me balancer bas moi me dit en ce qui me concerne okay, c'est arrêté avec Hervé Blaise
Ah bon? Ah, oh, ok, ok. Bon. Pour moi-même. Okay. C'est aussi l'opinion de Bobby Denny. Ok, pour moi. Il était avec Eric Blues. À partir de Timan, nous commençons à s'ouvrir. Là, on bâtit votre nom, commence dans la grande salle là. Nous commençons à lancer des bagailles, retirer chemise, nappe dérapée. Il n'est pas concevable pour. T'es capable de retirer chemise, même lundi, Pierre et Blues. Là, tu vois. Il n'est pas concevable, tu vois. Bon, avec la rose même, nous venons à Royonnette. Au moins, ce n'est pas même bagaille là. Elles sont bonnes, même deux du monde. Album Dipin Piraï, c'est l'album La Rosa. Basel pas bon non? Grenana. Ouais, mais, tout l'album Grenana. Nan pati mazi, je dis qu'il a fait musique Grenana, tête calée. Oh, moi, nous sentis le patte là. Tête calée, patte là, donne. Tête calée. Non, un peu avant, c'est ça, nous jouons, vous sentis pas. Et puis, dernier album Dipin, qui respecte tête lunette pour même album Boyer. Yeah. Yeah. Est-ce que vous avez dit que vous pas bon non parce que l'autre, on s'est dit merci d'avoir fait ça. On s'est dit merci d'avoir dit, monsieur, à l'autre de l'autre, toujours parlé mal, je vous voulez le coup par là de l'autre, papi. Le final, vous avez dit exactement. Le final, vous avez dit, vous voyez, c'est de musique qui, en termes d'orchestration, comparé au mauvais. Mais en termes de contenu, c'est au sens de jazz à ton petit, j'ai perdu philosophie. Où connaît que m'a parlé philosophie. Avec, où connaît que m'a parlé avec Robert Denis, qui c'est bon, Jean-Aurélie et aux Antilles, le Manitou du Compas Direct. Mm-hmm. Fabrice Souzé, qui attendait là, Patrick Saint-Louis, tout négo, Clinton qui attendait là, nous cap Michel Blaise, paquet go avec un listé dauphin. Je dis, Bobby Denis dit ça que, et jusqu'à présent, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas contre si vous abonnez dans le même sens avec elle. Je dis, plus bel album qu'on pas direct que Dipi fait, c'est album persisté, on s'en a parlé là. Au point de vue sonorisation. Non, monsieur, qu'est-ce que vous pensez comme ça? Monsieur, qu'est-ce que vous pensez comme ça? Moi-même, plus bel album Dipi pour moi-même, c'est ça fait. Elles sont bonnes pour moi, plus bel album Dipi, c'est ça fait. Album qui gagne liberté, justement. Pour moi-même, c'est plus bel album Dipi. Elles sont bonnes, mais Dipi a tellement album, monsieur, parlé là. Bah, bon, moi, c'est sur la gueule là, sur compas, comme c'est tout qu'on a gâché. Persisté, bah, l'autre jour là, il va. Non, c'est un jour persisté, ça veut dire. C'est avec, pas un album qui a eu beaucoup de succès, non? Les chansons. Non, sont... mais c'est un album qui c'est album après Timonois, oui, c'est un album persisté, qui gagne grâce là. Oui, qui gagne réfléchi. Qui gagne réfléchi, tout ça, yeah. Mais son bel album, oui. Son bel album, mais, bon, on va cap dim au point de vue sonore, il était plus bon, il était plus bien sonné par exemple que David. Bobby son ingénieur, il va la tête moi là pour David opiner sur les pour me de deux albums yo. Et mais pendant on dit ça là, son album qui est extrêmement bien sonné. Vous pensez ça? Ah oui, extrêmement bien sonné. Et surtout sur le temps de grâce là. Soldat de Gossa, extrêmement bien son œuvre. Bon, ou l'état de quoi c'est Bobby qui. Bah, c'est non, Bobby qui fait tout net. Non, mais pour pas faire mon fâché, faut jouer priorité à papa. Priorité, priorité.